Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du jeu de la vie. Alors non, je ne fais pas référence à un jeu de société ou à une variante de la roulette russe, mais à un drôle de petit programme informatique imaginé dans les années 70 par le mathématicien John Conway. Depuis presque 50 ans, ce jeu fascine les mathématiciens et les informaticiens, mais aussi les biologistes et les philosophes, parce qu'il nous montre comment un système évoluant selon des règles simplistes peut engendrer des résultats incroyablement riches. Et d'une certaine manière, il nous aide à mieux comprendre comment un gros tas d'atomes en interaction peut se retrouver à former les êtres complexes et pensants que nous sommes. Le jeu de la vie se joue sur un tableau de cases carrées et qu'on peut prendre aussi grand qu'on veut. Et on imagine que chacune de ces cases peut héberger une cellule, comme une cellule vivante. Si la case en contient une, on la colorie en noir, et à l'inverse, si elle est vide, on la laisse en blanc. Voici par exemple une configuration possible, très simple, dans laquelle on a seulement 6 cellules vivantes. Maintenant, l'idée du jeu de la vie, c'est de faire évoluer une population de cellules au tour par tour, selon des règles qui sont fixées à l'avance et qui sont enfantines. Règle numéro 1, une cellule ne survivra au tour suivant que si elle est entourée par 2 ou 3 voisines. Si vous voulez, en dessous de 2 voisines, la cellule meurt d'isolement, et au-dessus de 3, elle meurt de surpopulation. Et règle numéro 2, si une case vide est entourée par exactement 3 voisines, elle devient vivante au tour suivant. Une cellule naît à cet endroit-là. Pour voir ce que ça donne, essayons d'appliquer ces deux règles d'évolution sur notre exemple précédent. Ici, on a une cellule qui n'a qu'une voisine, donc qui va mourir d'isolement. Ici, on a une case vide qui a exactement 3 voisines, donc il va y avoir une naissance ici. Et pareil pour là, et pour les 3 cases qu'on trouve en dessous. Au tour suivant, on a donc une nouvelle situation qui est celle-ci. Et ensuite, on n'a plus qu'à recommencer pour refaire évoluer cette nouvelle configuration. On va avoir plusieurs morts par surpopulation et aussi quelques naissances. Et ainsi de suite, on peut recommencer autant qu'on veut. Vous voyez qu'appliquer les deux règles est extrêmement simple. Et en fait, on appelle ça le jeu de la vie, mais c'est pas vraiment un jeu puisqu'il n'y a pas de joueur. Vous n'avez aucune décision à prendre à part choisir la situation de départ. Et ensuite, il suffit d'appliquer les règles pas à pas, sans réfléchir. Si on revient à notre petit exemple, on a atteint la configuration suivante. Un carré fait de 4 cellules. Et là, vous pouvez vous convaincre que plus rien ne se passe. Ni mort, ni naissance. La figure n'évolue plus, elle est stable. Évidemment, le fait qu'on arrive sur cette structure stable est lié au choix qu'on a fait pour la configuration de départ. Si on avait pris une configuration différente, les choses se seraient passées autrement. Pour explorer différents scénarios, on ne va pas continuer à faire ça à la main. Il se trouve que les règles sont extrêmement simples, donc très faciles à programmer. Et ça va permettre de calculer beaucoup plus vite les évolutions. Alors il existe plein de petites applications qu'on peut télécharger, mais pour pouvoir vous faire des belles illustrations, j'ai recodé moi-même le jeu de la vie en Python. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description. Quand John Conway a proposé les règles du jeu de la vie en 1970, lui et quelques acolytes ont commencé à explorer plein de configurations de départ pour voir où ça allait mener. Bon, évidemment, si je pars d'une seule cellule ou même de deux, elle meurt tout de suite d'isolement. Donc prenons donc 3 cellules en ligne. Et voilà ce qui se passe quand on les fait évoluer. On n'obtient pas une configuration stable comme tout à l'heure, mais une structure oscillante. On l'appelle le clignotant. En partant de 4 cellules en ligne, l'évolution s'arrête mais sur une nouvelle structure stable qu'on surnomme la ruche. Et avec 5 cellules en ligne, on obtient au bout de quelques tours une nouvelle structure oscillante constituée de 4 clignotants. Mais en fait, on n'obtient pas toujours des structures stables ou oscillantes, hein. Parfois, certaines structures finissent par mourir complètement, comme celle-ci par exemple. Alors je ne vais pas vous faire toutes les configurations de départ possibles et imaginables. Ce qui est marrant pour trouver de nouvelles structures stables ou oscillantes, c'est de partir d'une situation de départ un peu aléatoire, de lancer l'évolution et de voir où ça nous mène. Dans les structures stables qu'on peut trouver comme ça, voici par exemple celles qu'on appelle le bateau, le pain et la mare. Et dans les structures oscillantes, à part le clignotant, voici la balise et le crapaud. Ce qui est fascinant dans le jeu de la vie, c'est la manière dont des petites choses simples peuvent engendrer une grande complexité. Par exemple, prenez comme situation de départ la configuration en ruche, qui est stable, hein, on l'a dit, mais en ajoutant juste une petite cellule dans un coin. Lancez l'évolution, et voici ce qui se passe. Vous avez maintenant 4 ruches qui sont apparues. Si je prends un escalier comme ça, avec juste 6 cellules, regardez. La structure se développe, on se demande jusqu'où ça va continuer, et elle finit par s'arrêter vers une structure stable constituée de 4 blocs assez éloignés les uns des autres. Et il a fallu 63 générations pour ça. Alors je pourrais vous en montrer plein comme ça, mais l'observation qui a fasciné Conway et qui lui a montré tout le potentiel de son petit jeu, c'est l'évolution de cette simple structure. 5 cellules, c'est tout. Et pourtant, regardez. Et là, en fait, je vais devoir accélérer le film et aussi un peu dézoomer. Parce que ça continue encore.
Encore. Et voilà. La première chose étonnante, c'est qu'il a fallu 1103 générations pour que l'évolution se stabilise. Ce qui est quand même énorme vu qu'on est parti de 5 cellules toutes bêtes. Et l'évolution a été complètement chaotique, hein, apparemment aucun motif récurrent. Et à la fin, on se retrouve avec une configuration sans aucune symétrie, constituée de 4 clignotants, ici, et de 15 structures stables. 8 blocs de 4, 4 ruches, un bateau, un pin et un navire. Mais ça n'est pas ça le plus fascinant. Au milieu de la simulation, il s'est passé un truc vraiment étonnant, je sais pas si vous l'avez remarqué. Je vous le remets. Regardez là, autour de la 70e génération, ce truc. C'est ce qu'on appelle un planeur. Hop, regardez, il y en a d'autres ici. Le planeur, c'est une structure qui change de forme, mais tous les 4 tours retrouve sa configuration en s'étant déplacé d'une case en diagonale. On peut en voir d'autres un peu plus tard dans la simulation. Et du coup, c'est une structure qui avance. La présence de ce petit planeur est assez révolutionnaire parce qu'elle montre deux choses. La première, c'est qu'un motif peut avoir une croissance qui sera infinie dans l'espace. Au cours de l'évolution, il y a 8 planeurs qui sont émis et qui vont donc continuer jusqu'à l'infini. La deuxième chose, c'est que ces planeurs permettent de commencer à imaginer une forme de communication entre des structures. Et on va voir que ça ouvre plein de portes. Depuis que le jeu de la vie a été imaginé par Conway, ses adeptes cherchent à découvrir ou à construire des structures intéressantes de plus en plus grandes et de plus en plus riches. Trouver des grandes structures stables qui ne soient pas juste des associations de structures existantes, ça n'est pas si simple. La plus grosse à ce jour, c'est la suivante. On l'appelle Cthulhu. Elle est constituée de 45 cellules. Du côté des oscillateurs, on en a trouvé plein d'autres, hein, et notamment certains dont la période d'oscillation n'est pas 2 comme le clignotant, mais peut être un nombre plus élevé. Par exemple, voici une structure appelée le pulsar, qui oscille avec une période de 3, c'est-à-dire que la figure se répète tous les 3 tours. Autre exemple plus compliqué, prenez 10 cellules en ligne. Au début, on a l'impression que la structure évolue sans motif particulier, mais en fait, elle se répète tous les 15 tours. C'est un oscillateur de période 15, qu'on appelle le pentadécathlon. On connaît maintenant des oscillateurs de tout un tas de périodes. En voici un des plus gros, c'est un oscillateur de période 177, dont la configuration se répète donc tous les 177 tours. Du côté des planeurs, on a pu aussi trouver d'autres structures capables de se déplacer. Il y a par exemple les 3 suivants qu'on appelle des vaisseaux spatiaux, respectivement le petit, le moyen et le gros. Et aussi des très jolies structures comme celle-ci, c'est l'Oie du Canada. Ou bien des plus symétriques, hein, comme celle-là, qui s'appelle 60P5H2V0. Ouais. Alors tout ça est bien gentil, on peut s'imaginer même pousser le bouchon encore plus loin, mais la structure qui a provoqué une petite révolution dans le jeu de la vie, c'est celle-ci. On l'appelle le canon à planeur. Et vous voyez pourquoi, hein. C'est une structure qui oscille tout en produisant des planeurs. Elle a été découverte par Bill Gosper et porte d'ailleurs son nom, hein, le canon à planeur de Gosper. Et cette structure résout une question que Conway s'était posée dès le départ. Elle montre que le nombre de cellules vivantes peut tendre vers l'infini avec le temps. On a des planeurs qui sont émis avec un rythme régulier et qui ne disparaissent jamais. Et on peut évidemment jouer à essayer de construire des canons pour d'autres types de structures qui se déplacent. Allez, voici un exemple extrême. Vous vous souvenez du vaisseau 60P5H2V0? Eh bien, on peut en fabriquer un canon. Il est juste légèrement plus gros que le canon à planeur. En fait, oui, il est vraiment, vraiment plus gros. Regardez-moi ce balai harmonieux, vous trouvez pas ça magnifique? En fait, ce qui est magnifique, c'est surtout que toute cette complexité fascinante découle de seulement 2 règles totalement élémentaires. Vous voulez encore d'autres structures? Voici ce qu'on appelle un fumeur, c'est-à-dire une structure qui se déplace comme un vaisseau, mais en produisant des débris qui restent derrière elle. Et en partant de ce même fumeur, mais en rajoutant dans son sillage des vaisseaux spatiaux qui vont le suivre, on peut en faire une version dite écologique. Regardez, les vaisseaux vont convertir les débris du fumeur pour en faire des planeurs. Voici une autre structure de fumeur assez impressionnante qu'on appelle un fumeur en ligne. Alors lui, il laisse un sacré bordel derrière lui. Tout à l'heure, on a vu que le canon à planeur était une structure assez compacte qui permettait de produire des cellules à l'infini. Mais en fait, on peut faire encore plus simple que ça. Voici une structure de seulement 10 cellules au départ, qui paye pas de mine. Mais voyons son évolution. Regardez, au bout d'un moment, on remarque qu'une sorte de route pavée de blocs se construit comme ça, indéfiniment. Avec seulement 10 cellules au départ, on peut montrer que c'est la plus petite structure possible ayant une croissance infinie.
On peut aussi s'amuser à chercher des structures en croissance infinie qui soient les plus rapides possibles. Et là, le record est détenu par cette structure qu'on appelle Max, et vous voyez pourquoi, hein. Quand elle évolue, elle remplit l'espace d'un motif en rayures de zèbre, qui est localement stable. Alors stable, mais pas très robuste, hein. Regardez ce qui se passe si j'ajoute artificiellement une petite perturbation quand on arrive au bord. Eh ben, c'est l'apocalypse. Mais la structure la plus spectaculaire pour moi, c'est celle-ci. Elle s'appelle Breeder One. Elle est constituée de 9 gros vaisseaux qui laissent des débris et éjectent des planeurs. Mais regardez ce qu'elle produit. Les planeurs et les débris finissent par s'assembler pour former des canons à planeurs qui se disposent en ligne dans son sillage. Et donc, plus le temps passe, plus le nombre de planeurs émis simultanément augmente. C'est beau, non? Bon, ça fait quelques minutes qu'on fait des jolis dessins, on peut quand même se demander à quoi tout ça sert. Alors si tout ça vous laisse de marbre, hein, souvenez-vous que ce qui fait la beauté de la chose, c'est que toute cette complexité est engendrée à partir de seulement 2 règles extrêmement simples sur la survie et la naissance des cellules. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du jeu de la vie, le fait que des règles de base élémentaires puissent donner naissance à des structures et à des comportements extrêmement complexes. Et d'ailleurs, personne n'aurait pu anticiper, rien qu'en regardant les 2 règles, qu'elles pourraient donner naissance à tout ça. Et c'est ce phénomène qu'on appelle l'émergence. Le fait que des structures complexes puissent posséder des propriétés macroscopiques qu'on ne retrouve pas dans leurs constituants de base. On retrouve ces situations d'émergence aussi bien en physique qu'en biologie, mais aussi en sociologie ou en économie quand on étudie le comportement des groupes. Et c'est parce qu'ils nous renseignent sur ces phénomènes d'émergence qu'on s'intéresse beaucoup à l'étude de systèmes simples, facilement simulables informatiquement, comme le jeu de la vie. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà évoqué ces questions dans une vidéo précédente qui parlait de la fourmi de Langton. Dans le cas du jeu de la vie, on a pu pousser l'investigation assez loin. Par exemple, on a pu montrer qu'il existait des structures capables de s'auto-répliquer, comme ce qui se passe avec les cellules vivantes. Et d'un point de vue théorique, il a surtout été montré qu'on pouvait réaliser une machine de Turing avec le jeu de la vie. Alors une machine de Turing, c'est une sorte d'abstraction du concept d'ordinateur. Ça veut dire que tout ce qu'on peut calculer avec un ordinateur classique, on peut aussi le calculer avec une simulation du jeu de la vie. On peut concevoir des portes logiques, faire des opérations, des calculs, et à la fin, reproduire avec le jeu de la vie n'importe quel programme qu'on aurait pu faire tourner sur un ordinateur. Et voici l'illustration la plus folle de cette idée. Ce que vous voyez ici, ce sont des séries de petits planeurs qui se déplacent, dans une sorte de structure carrée qui les crée. Et quand on la regarde de loin, ces planeurs qui remplissent le carré, ça fait un peu comme un pixel, une case qui serait noire. Et il en existe aussi une version sans les planeurs, qui du coup ressemble beaucoup à une case blanche. Et on peut associer plusieurs structures de ce genre pour former un réseau de cases géantes, blanches ou noires. Et en mettant les bonnes interactions, ces cases géantes peuvent évoluer selon les règles du jeu de la vie. Alors là, j'avoue, la simulation était trop compliquée, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Donc on a une configuration du jeu de la vie capable de simuler un jeu de la vie. J'espère que la profondeur de ce résultat vous fascine autant que moi. Alors une question qu'on peut se poser quand on a vu tout ça, c'est pourquoi utiliser ces 2 règles et pas d'autres? Eh bien, Conway les a trouvées par tâtonnement, en essayant d'avoir des règles qui soient à la fois suffisamment simples, qui évitent l'explosion du nombre de cellules, mais qui permettent de former des structures suffisamment complexes. Il existe quelques variantes du jeu de la vie avec des règles différentes et qui produisent aussi des résultats assez riches, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe, il y a une chose qu'on peut faire, c'est d'étudier un système encore plus simple. On l'appelle les automates cellulaires élémentaires. Alors petit point de vocabulaire, j'ai pas voulu vous ennuyer dès le départ avec des mots savants, mais le jeu de la vie fait partie de la classe de ce qu'on appelle les automates cellulaires. Il s'agit de tous les systèmes constitués de structures élémentaires simples, les cellules, et qui évoluent de façon discontinue dans le temps, selon des règles fixées d'avance et déterministes. Et pour essayer de faire un automate cellulaire encore plus simple que le jeu de la vie, on peut essayer de descendre d'une dimension, et de ne plus considérer une grille de cellules, mais simplement une ligne. Si notre système est une simple ligne de cases noires ou blanches, il va falloir spécifier les règles d'évolution en fonction des couleurs des cellules et de leurs voisines. Par exemple, voici une règle d'évolution envisageable. Alors, il y a 8 cas possibles à considérer, suivant la couleur de la cellule et de ses 2 voisines. Par exemple, cette règle nous dit que si une cellule est blanche et que ses 2 voisines sont blanches, elle va le rester, mais que dans tous les autres cas, elle devient noire au tour suivant, ou elle reste noire. Alors essayons de voir ce qui se passe si on simule cet exemple en partant d'une configuration de départ très simple, juste une case noire. Pour que tout ça soit visuel, je vais représenter l'évolution dans le temps en empilant les lignes. Voici donc l'instant initial, ensuite le suivant, on a appliqué les règles, celui d'après, et ainsi de suite. Et si je représente ça de loin de façon accélérée, voilà ce que ça donne.
Maintenant, faisons une petite modification à la règle précédente. Petit changement, maintenant, une cellule noire isolée meurt. Et voici l'image de l'évolution qu'on obtient. Et si je fais une autre modification possible, eh bien, j'ai une autre évolution. Pour complètement spécifier une règle d'évolution, j'ai dit qu'il y a 8 cas à considérer. Et donc, comme à chaque fois, le résultat peut être blanc ou noir, vous pouvez vous convaincre qu'il n'y a que 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 règles d'évolution possibles dans cet automate cellulaire. Du coup, c'est assez facile de les programmer toutes et de regarder de façon exhaustive ce qui se passe pour chacune d'elles. D'autant que certaines règles, en plus, sont symétriques les unes des autres. Dans les années 80, le physicien Steven Wolfram s'est mis à étudier de façon systématique toutes ces règles et à leur donner une numérotation pour pouvoir les distinguer. La première règle qu'on a vue, c'est ce qu'il appelle la règle 254. La seconde, c'est la 250. Et la troisième qu'on a vue, c'était la numéro 50. Alors regardons maintenant une nouvelle règle intéressante, c'est la 126. Elle est à nouveau très simple, hein. Une case blanche isolée, le reste. Une case noire entourée de deux cases noires meurt, comme la surpopulation. Et dans tous les autres cas, la case devient ou reste noire. Et voici l'évolution de cette règle à partir d'une simple case noire initiale. Vous reconnaissez peut-être cette figure, on l'appelle le triangle de Sierpinski. Et c'est un exemple bien connu de structure fractale. C'est marrant, non? On a des règles élémentaires complètement locales et qui permettent de créer une structure globale comme si on en avait prévu les plans d'avance. Voyons un autre exemple, hein, c'est la règle numéro 30. Et voici son évolution. C'est bizarre, non? D'un côté, on semble avoir des structures relativement régulières, et de l'autre, ça semble totalement aléatoire. On voit de temps en temps des structures plus grosses, mais aucun motif qui se répète vraiment. Steven Wolfram a pu montrer que cette structure était chaotique, dans un sens mathématique bien défini, et qu'on peut même s'en servir comme générateur aléatoire de nombres. Allez, un dernier exemple de règle, mais celle qui a le plus fasciné Wolfram. Il s'agit de la célèbre règle numéro 110. Et elle ne diffère de la règle 126, hein, celle du triangle de Sierpinski, que par un seul changement que voici. Si on étudie son évolution, on s'aperçoit que d'un côté, à droite là, ça reste complètement blanc. Par contre, à gauche, il se passe des drôles de choses. À première vue, le motif a l'air régulier partout, mais quand on y regarde de plus près, on voit que des structures apparaissent, se propagent, disparaissent. Et il y a comme des interactions entre ces structures sur un fond qui lui reste régulier. Les structures qui se propagent se comportent un peu comme les planeurs du jeu de la vie. Et on peut simuler aussi loin qu'on veut cet automate cellulaire, ce comportement étrange demeure. C'est pas quelque chose de régulier, c'est pas non plus quelque chose de chaotique, c'est entre les deux. C'est comme si on venait de créer un petit monde dans lequel des formes de vie artificielles se développeraient et interagiraient. Une sorte de mini-jeu de la vie. En 2002, le mathématicien Matthew Cook a publié une démonstration du caractère universel de la règle 110. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour simuler une machine de Turing. Et donc n'importe quelle fonction calculable par un ordinateur classique, comme le jeu de la vie. Mais malgré cette démonstration, comme pour le jeu de la vie, on peut pas dire qu'on comprenne vraiment pourquoi la règle numéro 110 fonctionne comme ça et pas les autres. L'émergence de la complexité et de l'universalité d'un système aussi simple reste une question mystérieuse. Comme quoi, même les programmes informatiques les plus élémentaires n'ont pas fini de nous étonner. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas les pouces bleus, la cloche, liker, tout ça. Si vous voulez creuser le sujet, comme toujours, j'ai écrit un billet de blog qui accompagne la vidéo et qui donne un peu plus de détails. Les actualités de la chaîne, c'est sur Facebook et sur Twitter, et vous pouvez bien sûr me soutenir sur Tipeee. Merci, à bientôt.